Imaginez que le temps s'arrête un court instant dans notre vie. Seulement vous et moi serions les acteurs de ce phénomène inexplicable qui est la mesure de l'espace-temps. À travers nos pensées, nous avons tous nos jugements, nos idéaux, mais aussi nos souvenirs. Depuis la nuit des temps, l'être humain emmagasine des millions d'informations qui, à mesure du temps passé, deviennent des souvenirs. Aujourd'hui, avec Gatcharki de Christophe Borers, nous allons exploiter la portée de la connexion cérébrale entre êtres humains. Je vous donne rendez-vous à tout de suite pour une expérience hors du commun. Aujourd'hui, Brigitte, je te propose de rentrer dans une dimension un peu spéciale. Je vais arrêter le temps, un court instant, afin que tu puisses mémoriser un souvenir. À l'aide d'un jeu de cartes avec des cartes toutes différentes, tu peux attester ? J'atteste. Tu vas simplement, avec ta main, effleurer la tranche du jeu, t'arrêter où tu souhaites et mémoriser une carte. Vas-y. C'est bon ? C'est bon. Très bien. Maintenant, la seule image que tu as dans ton esprit, c'est cette carte. Oui, c'est... Si je te dis qu'elle est rouge. Oui. Bonsoir. C'est du cœur. Oui. C'est une figure. Vraiment ? Tu en es sûr ? Ah, j'en suis certaine. Prends le jeu et donne-moi cette carte. Tu la poses dans ma main. Je trouve pas. Elle est pas là. T'es sûr? Ah bah oui, je regarde, je trouve pas. Quel était le nom de cette carte? Le 5 de cœur. Le 5 de cœur. Oui. Très bien, donne-moi ce jeu. Depuis le début, Dans ma poche droite, j'ai ma main. Oui. Il serait étonnant que je puisse sortir une carte, une seule. Ah. Le 5 de cœur. Ah, je suis bluffée, franchement. Ça t'a plu ? Ah, vraiment, c'est génial, c'est bluffant. Merci à toi, merci à vous. Et je fais une petite dédicace à mon ami Yannick, qui est en train de regarder cette vidéo. Je sais que ça lui plaira beaucoup, cet effet. Gatcharki. Allez, à bientôt les amis. Au revoir.